Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à ce titrologue de ce vendredi 27 avril 2018. En marge de la cérémonie de remise du prix Mo Ibrahim décerné à l'ex-présidente du Libéria, Sirleaf Johnson, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est entretenu avec son homologue rwandais Paul Kagame et s'est rendu au centre du mémorial. En séjour à Kigali, Ouattara revisite l'horreur du génocide rwandais, nous annonce Fraternité Matin. Le compte rendu complet à lire dans le journal gouvernemental. Affaire refus de présenter des témoins, la défense de Blé Goudé en colère, titre l'Inter. Nous jugeons ces propos très graves, s'insurgent les avocats de l'ex-ministre de la Jeunesse. L'Inter nous propose une interview exclusive de Maître Ndri Claver, avocat de Blé Goudé. Outre les avocats de Blé Goudé, Soir Info nous apprend qu'en pleine rencontre à Gagnoua, les parents de Gbagbo et Blé Goudé se déchaînent devant le représentant de la Cour pénale internationale. Le journal nous rapporte les propos de Joseph Gadi, président des chefs traditionnels. La CPI est une machine qui bouffe les Africains. Plus de détails à lire dans Soir Info. C'est ici que nous allons mettre un terme au titrologue de ce jour. Retrouvez tous vos journaux en ligne sur la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et bon week-end à toutes et à tous.